Bonsoir tout le monde, comment nous y est? Jeudi en jeune cuisine que on entre la caille nous. Moi pour le préparer pour nous, un poisson boucané en bafou. J'en ai regardé là, nous ouais mes poissons yo. Moi déjà fin nettoyer poisson yo, laver nous ouais yo mes poissons. Et puis mais ça moi pour utiliser pour me capable épicer poisson. Ça c'est mon tade. Pou d'adobo, moun ki te mande m ki sa pou d'adobo, men ni son pou de magilier ki gen plusieurs bay la dan, ni gen épices la dan tout. Ça c'est un pou de citron ki gen piment la dan. Ça c'est la choy, tout moun Haïti yo nou konn ça très bien. Ça c'est pou de l'ail, pou de zonyon. C'est au même moi mette la men pou de l'ail, pou de zonyon, pou d'adobo. Ça c'est tabasco, mais la choy là ça c'est cayenne pepper. Ça c'est poudre paprika et puis yon grain magi m'a utilisé pour moi capable épicer poisson. OK, suivez vidéo avec pour nous voir comment moi pour le préparer sauce marinade pour moi épicer poisson. Épices là, l'eau ça nous est là dedans son acide citron qui dans épices là là. Moi mettez un petit montade la donne c'est juste pour goût seulement. M'a mettez petit peu de citron qui gagne piment. Puis yon grain mag. A few minutes later. OK, sauce marinade la fin préparée pour nous moi pour aller épicer poisson. Nous ka remarquer moi filan moi bail poisson en plusieurs mac. Nous wè li? Moi bail plusieurs mac. Son façon pour me capable assaisonner tout en dedans poisson pour tout en dedans capable gain acide pour épices acide sel entrer dans tout en dedans viande poisson. M'a commencer. M'a mettre épices en dedans poisson. Et puis, m'a déposé. OK, j'en ai regardé là, nous, moi, fin épicé poisson. Hein? Quand y a là, m'a quitté le reposer pour 30 minutes. Après 30 minutes, m'a couvri li pour m'capable mettre en bas four. A few minutes later. OK, j'en ai regardé là, nous, moi, t'ai mis tes poissons en bas four. Moi, t'ai chauffé four à 350. Et puis moi mette yo pour 15 minutes. Quand y a 15 minutes nan fin passé, moi pour le virer au bord. M'a seulement virer au bord et puis moi mette le pour 10 minutes encore. Après 10 minutes nan, m'a retirer sauce qui la dedans nan et puis pour yo capable boucaner. OK? Suivant ensemble avec. 2 hours later. OK, j'en ai gardé là, nous ouais poisson en fin boucaner, poisson fin préparé. Et na excusez-moi, moi t'ai pensé là m'a retiré jus qui était dans poisson en bas froid, là m'a retiré li m'pensé vidéo a t'a recordé, li pas recordé. Na excusez-moi, ça c'est jus moi retiré dans poisson, c'est avec li moi pour nous pour manger yam nan. Nous comprendre, c'est avec jus ça moi retiré dans poisson, moi pas ajouté rien là-dedans. Moi seulement retirer li et puis moi ajouter yon ti l'huile en bas plateau qui paraît en bas poisson yo et puis moi quitter yo pour yo capable boucaner. Moi quitter le pour 15 minutes et puis li gen tan bien boucaner. J'en ai regardé là nous poisson en bien boucaner ni en haut ni en bas. Moi bon en haut a fin boucaner et puis moi virer le face l'autre bord à boucaner. Après ça moi retirer li. Nous pral bien passer là poisson boucané, yam blanc et puis belle petite salade
Nous voilà bien passé. Et merci à tout le monde qui t'a regardé vidéo ça ou même qui abonné déjà à channel là, moi dis ou un grand merci. Ou même qui a regardé vidéo à qui poko abonné avec channel Angeline Cuisine Créole. Fais ça qu'on y a abonné avec channel Angeline Cuisine Créole pour capable ouais tout et plat que Angeline Cuisine Créole prépare pour nous. Nous pas regrette. Yon l'autre vidéo comme ça encore, mais c'est pas même manger, c'est pour vendredi si Dieu veut. Bye tout le monde.